te sauver. Tu vas 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 te sauver. Amen. Nous allons parler ce matin des signes et des prodiges. Alléluia. Les signes et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Donc, logiquement, nous, Église, ce matin, comme nous avons cru et que nous avons accepté Christ, les signes et les prodiges devraient ou doivent nous accompagner. Mais en d'autres termes, devraient nous accompagner. Alléluia. On n'aurait pas encore besoin de faire des délivrances. On n'aurait pas encore besoin, on n'aurait pas eu besoin de tous les jours faire des prières intenses. Non. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. Les signes accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Mais je me pose la question, est-ce que ces signes-là nous accompagnent réellement? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons aller dans 2 Timothée. On va comprendre une parole. 2 Timothée 2, verset 19 à 22. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses parents qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Regardez, la Bible dit, quiconque, on n'a même pas besoin de croire, mais il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, on comprend que dans le nom du Seigneur, il y a un mystère. Alléluia. C'est un nom qui est sacré. Donc à partir du moment, dans ta bouche, tous les jours, chaque instant, le nom du Seigneur est prononcé, la Bible dit, tu dois t'éloigner automatiquement de l'iniquité. L'iniquité qu'on appelle péché, n'est-ce pas? Alléluia. Continue un peu la parole. Au verset 20, oui. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Alléluia. Regardez, on comprend que, regardez comment on essaie de faire une métaphore. Regardez, on prend l'église, on dit l'église est considérée comme une maison, mais quand tu es dans une maison, il n'y a pas que le pasteur. Parce qu'on pourrait croire que le pasteur est un vase d'or. Alléluia. On pourrait croire ce qu'on met de côté ou ceux qui nous avons prié tout à l'heure sont des personnes qui sont des vases d'or. Mais la Bible dit, il n'y a pas que des vases d'or, il y a aussi quoi? De bois et de terre. Il y a aussi de bois et de terre. Bois sans valeur, terre sans valeur. C'est tout ça qui renferme l'église. Alléluia. Les uns sont des vases d'honneur. Et les uns sont des vases d'honneur. Et les autres sont dans un usage vil. Les autres sont d'un usage vil. Quand on parle de bois et de terre, il n'y a aucune valeur dans la terre. N'est-ce pas? Mais quand on travaille cette terre-là, continue, ajoute un autre élément extérieur. La terre qu'on a pris devient quoi? Un vase. Et la terre devient un vase d'honneur. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu aspirent au miracle. Beaucoup d'enfants de Dieu aspirent aux bénédictions. Mais la Bible est en train de me faire comprendre quelque chose. Ma fille, est-ce que tu as terminé ta lecture? Va plus loin. Au verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, 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 oui, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant du péché, oui, il sera un vase d'honneur, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, propre à toute bonne œuvre. Donc en toute logique, toute personne qui s'abstient au péché, même s'il était vase de terre, automatiquement il devient vase d'honneur. Voilà pourquoi on a compris le mystère dans le nom de Jésus. Pourquoi ça choque aujourd'hui les gens
quand on entend dire qu'un pasteur a péché, il est tombé. Alléluia. Pour vous, c'est choquant, c'est vrai. Maintenant, la parole nous dit, est-ce qu'il était réellement un vase d'honneur? Alléluia. Dieu peut prendre quelqu'un de ville, derrière, commando. Dieu peut faire venir Jésus dans cette salle. Et il peut dire, reprends mon église. Et Dieu ne peut rien trouver dans la vie du pasteur comme un vase d'honneur va prendre derrière quelqu'un d'insignifiant qui était de terre et que Dieu va arranger pour le positionner à une place où personne ne pouvait espérer être que cette personne pouvait être. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc la parole nous dit, hey, dans le nom de Jésus là, il y a mystère. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, à mon nom, vous chasserez de quoi? Démons. Frère, le miracle, c'est vrai. Mais laisse-moi te dire une seule chose, un seul secret. On cause ce matin. Laisse-moi ouvrir ton entendement. Tu veux le miracle, c'est vrai. Tu veux le mariage, c'est vrai. Tu veux la bénédiction, c'est vrai. Mais la Bible me dit, tant que tu es assis dans le péché, oublie le miracle. Oublie le mariage. Oublie l'enfantement. Oublie tout ce que tu peux espérer. Parce que le nom de Jésus qui est sur toi là, ce n'est pas un petit nom. Si toi tu n'en vois pas la valeur, mais lui Dieu est attaché à cette valeur. Alléluia. Donc vous comprenez aujourd'hui que il y a un fondement essentiel dans le nom de Jésus. C'est la pureté. Mais la pureté de quoi? La pureté du cœur. Alléluia. Je veux le miracle, c'est vrai. Dieu me dit ce matin, frère, le miracle là, pour toi, Dieu dit, ce n'est pas un problème. Il dit, c'est comme si c'était un acquis. Mais est-ce que ton cœur est pur? Quand tu regardes maman Bro comme ça là, elle est assise auprès de la soeur Diati. Elle dit que les deux sont jolis, sans produit gagné. N'est-ce pas? Quand nous allons venir là, automatiquement, on va automatiquement nous dire ça là. Nous, on voit ici qu'il y a vase d'honneur ici là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et on va dire, oh, elle, façon, elle est grosse. Façon, elle est ceci. Oui, bon, on dirait que ses cheveux là, elle est un peu comme ça. Bon, elle, bon, il y a les lunettes. Les lunettes, elles doivent coûter peut-être 3000 euros. Donc ici là, c'est vase d'honneur. Mais Dieu en train de me dire, ta pensée là, ce que tu penses là, ce n'est pas ça. Nous regardons l'aspect extérieur. Mais Dieu, ce qu'il regarde, il va regarder la finesse. La finesse, c'est le cœur. Et des deux, quand il va les jauger, il va trouver le vase d'honneur là. Alléluia. Maintenant, il dit, ton miracle, je suis d'accord avec toi. Qu'un enfant de Dieu doit aspirer à un miracle, c'est normal. Un enfant de Dieu doit aspirer à la richesse. C'est normal. Un enfant de Dieu doit être bien. Quand le parent le voit, il faut qu'il sache, il faut qu'il voit la gloire de Dieu sur lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ok. Donc, normalement, ce n'est pas choquant qu'un enfant de Dieu recherche la grâce. Mais il dit, si le fondement de ta vie n'a pas de pureté de cœur, oublie. Alléluia. Nous plaignons trop. Nous nous énervons trop. Dès qu'on voit un mouvement, tu n'as même pas été là. Tu ne sais pas comment le mouvement est arrivé jusqu'à se gâter. Mais on va prendre une défense d'une situation qu'on n'a jamais vécue. On se met au devant et on commence à porter des jugements. On commence à porter des analyses. Ou vraiment, des fois, tu nous perds, tu nous dépasses de fois même nous-mêmes. Frère, quand vous voyez un homme ou une femme qui est tout le temps, tous les jours dans les mêmes problèmes, les mêmes situations, interrogez-vous. Alléluia. Frère, bien-aimé, si tu vois très souvent des gens qui sont dans une position, c'est parce que leur état de cœur n'est pas pur. Tu veux faire un combat qui n'est pas ton combat.
que tu as cherché à savoir quel état de cœur ils ont? Qu'est-ce qui s'est donc passé afin qu'ils soient dehors? Qu'est-ce qui s'est passé afin qu'ils soient dans un fauteuil roulant? Et je suis sorti, je l'ai regardé. Il dit, je comprends aujourd'hui pourquoi tu es dans le fauteuil roulant. Parce que tu es mauvais. Tu ne passeras plus jamais mon bureau. Oui. Et ne m'ouvre plus la porte. Parce que si tu n'es pas capable d'ouvrir la porte à une dame qui ne peut même pas marcher, qui n'a même état que toi, qu'est-ce que tu feras de bien avec moi? Moi, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Bien-aimé, voilà pourquoi la grâce de Dieu ne peut pas descendre dans nos vies. Alléluia. Ta famille est en train de mourir. Ton frère est en train de mourir de faim. Mais tu es le gentil bonhomme dehors. Tu es la femme qu'on doit voir dehors. Et pendant que ça meurt à côté de toi, tu es incapable même de faire quelque chose. Tu préfères sauter tous ceux qui sont devant toi pour aller bénir ceux qui sont à l'extérieur. Frère, pour Dieu, tu n'apportes rien du tout. Quand on dira, il faut enlever son église, personne ne pourra t'enlever. Parce que pour Dieu, il ne te reconnaît même pas. Alléluia. Frère, il y a des situations pareilles qui très souvent bloquent nos vies. Et nous ne voulons pas les reconnaître. Ce qui est grave, c'est qu'on croit pouvoir être très intelligent que les autres. Très souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'on est malin. Non, nous, on est malin. Hé, des enfants de Dieu. On est dans l'église et puis on dit qu'on est malin. Moi, il y a quelque chose qui ne va pas. On est malin. On est très intelligent. Tu es là, oh, on fait comme de rien n'est. À cela là, quand on est comme ça, on marche tout droit comme ça, les bonnes choses vont sortir. Frère, c'est vrai. Moi, je ne peux pas tout voir. Ou ton frère qui t'a fait venir en France ne verra pas tout non plus. Ou ta soeur ne verra pas tout non plus. Mais un jour viendra où le Seigneur va connaître ta vraie identité. Et quand on connaît ta vraie identité là, c'est dangereux. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple de Géasi. Allons-y. On va prendre 2 rois. 2 rois 4. Ma fille, on va courir. Hein. 2 rois 4, verset 29. Et nous allons comprendre une parole. Géasi, serviteur d'Élisée. Parole de Dieu en 2 rois 4, verset 29. Verset 29, oui, jusqu'au 31. Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'enfant est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Au verset 31, Géasi les avait devancés. Écoutez-moi bien. Géasi les avait devancés. Et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Et il a mis... Et regardez, ils sont tellement... C'est-à-dire que... Géasi. Aïe. Si ce qui est dans Géasi là, est dans ta vie, frère, il faut commencer à te repentir. Et c'est des gens... Avant même que tu ne dises, envoie-moi. Ils ont couru, ils sont déjà partis. Maintenant, ils arrivent au lieu, ils commencent à tourner. Mais papa, tu m'avais dit quoi même? Mais attends que je t'instruise d'abord. Alléluia. Vous comprenez? Avant même que Élisée ne dise à Géasi, ou même la femme même ne dise, oui, allons ensemble. Parce que la maison de la femme là, c'est elle qui a les clés ou bien c'est Géasi? C'est elle qui a les clés, non? Mais avant même que la femme ne soit là-bas, Géasi est déjà arrivé. Tellement obéissant. Prêt à se coucher. Alléluia. Ils sont tellement futés qu'ils croient que dans l'église, avec la parole de Dieu, là où il y a la vérité, dans la maison de Dieu, tu peux tout cacher. Non! Frère, si j'ai envie de me faire des affaires, mes business, avoir 2 cœurs, je ne viens pas à l'église. Je m'assois dans le monde là-bas et puis je suis dupe de la première heure jusqu'à la dernière heure. Alléluia. Mais je dis, je suis né de nouveau, je suis assis dans la maison de Dieu et puis j'ai plusieurs identités. Regardez un peu de Géasi. Ma fille, lis-moi le verset 31. Géasi les avait devancés. Il les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il
n'y eut ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Verset 32. Non, on a fini. Regardez un peu. Maintenant, je me suis posé la question. Disons-nous la vérité. Je suis pasteur Zadi, n'est-ce pas? Ma vie confie bien. Donnez-moi un bâton. Donnez-moi quelque chose. Je vais frapper Kofi. Amen. Vous savez, à l'époque, chaque serviteur de Dieu, Dieu lui avait donné un secret. N'est-ce pas? Moïse avait un secret. Abraham avait un secret. C'est toujours révélé par la Vierge. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? Répondez-moi bien. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais aujourd'hui, si je prends bâton, vous allez dire quoi? Autrefois, les mêmes hommes qui sont comme moi ont utilisé le même bâton. Dieu a déversé sa puissance. Et avec le même bâton, ils ont fait des miracles. Aujourd'hui, si Dieu dit, pasteur Zadi, prends le bâton là, va guérir des gens. Ils vont dire, tu t'es se baillé. Ils vont dire, il allait au Bénin. Il allait au Togo. Alléluia. Regardez. Élisée dit, il dit, Géasi, je ne peux pas être partout. Amen. Donc, prends le bâton. Va. Tiens-moi le bâton là. Il dit, va. La femme là, j'ai vu cette femme. Passons, elle est en train de courir pour venir vers ici. J'ai comme l'impression qu'il se passe quelque chose. Va à sa rencontre. Et donc, Géasi court, il va à la rencontre de la femme. À peine la femme a fini de parler, Géasi avait tout compris. Va. Amen. La femme est en train de parler ici, Géasi lui est déjà parti. Il s'est précipité sur l'enfant. Alléluia. Géasi arrive sur l'enfant. On dit, mets seulement. On n'a pas eu de prier. Hein. On n'a pas de faire hippopopo. Hein. On dit, mets seulement le bâton là ici. Voilà. Kofi, faut t'asseoir après. Amen. Le bâton étant mis, Géasi regarde. Rien ne s'est passé. Il reprend le même bâton. Il vient voir son maître. Et il pose la question à Élisée. Élisée, le bâton que tu m'as donné là. Il n'y a rien là-bas. Hein? Frère, de toi à moi. Je me suis posé la question. Mais entre Élisée, son bâton, et Géasi, à qui le problème? C'est vrai ou c'est pas vrai? Je pense que chaque personne ici présente qui a étudié cette parole a eu une interrogation quelconque par rapport à cette situation. À savoir, à qui le problème? Est-ce le problème du bâton d'Élisée? Est-ce Élisée lui-même? Ou est-ce Géasi? Frère, personne ne pouvait le savoir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Personne ne pouvait le savoir. Et vous allez voir, oh, ils sont là, ils traînent les bâtons partout, ils prennent, fatiguent les gens là, les onctions par-ci, les onctions par-là. Dit Dieu l'a appelé, mais voilà, moi, il n'y a plus le bâton, je suis parti, il n'y a rien. Frère, ce n'est pas le bâton le problème. Alléluia. À l'instant où à l'instant T, où Élisée a ordonné à Géasi de partir, le bâton était rempli de l'onction et la puissance de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu veille sur la parole de ses oints pour accomplir ce qu'il veut que cela soit. Donc automatiquement, quand Élisée dit à Géasi, va, il réussit. C'est comme ici, mes enfants qui sont là, je leur dis, allez-y à tel endroit, allez prier. Ils vont partir avec l'onction de Dieu. Et quand ils reviendront, ils reviennent avec la victoire. Alléluia. Maintenant, lisons 2 Rois 5. On va comprendre. 2 Rois 5, verset 18.
Voici toutefois ce que j'ai pris l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Va en paix. Continue. Lorsque Nathan eut quitté Élisée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa mère ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. Mon maître t'envoie te dire, voici, Pour qu'on explique la situation, pour comprendre le contexte biblique dans lequel, n'est-ce pas, les choses se passent. Là, nous sommes avec Naaman, nous sommes avec Élisée, et Naaman, c'est un grand soldat, n'est-ce pas, qui a la lèpre. Et sa servante lui dit à sa maître, il y a une servante qu'ils ont envoyée dans leur maison, afin qu'elle soit, comme on dit communément chez nous, je pense partout, servante, n'est-ce pas? Bonne ou servante. Et c'est elle, en lavant les affaires, les habits de son maître, constate les empreintes de la lèpre. Maintenant, elle va se confier à sa maîtresse. Elle lui dit, ah, vraiment, je connais un serviteur de Dieu, celui-là, si vraiment le patron, Naaman, pouvait aller le voir, je pense qu'il guérirait ses lèpres. Alléluia. Et quand cette information a été apportée à Naaman, il y a mis l'orgueil. Il dit, moi, je ne vais pas là-bas. Qui vous a dit ça? Mais il a remué ciel et terre. Élisée lui dit, ils ont rapporté à Élisée tout ce que Naaman faisait comme boucan. Élisée lui dit, laisse-le, il va venir me trouver ici. Alléluia. Mais Naaman a tourné. Il a tourné. Il est revenu voir Élisée. Élisée lui dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu vas te jeter 7 fois dans le Jourdain pour que ce qui est sur toi puisse sortir. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, moi, j'ai de l'argent. Il a commencé à élargir les épaules. Alléluia. Parce qu'à cause de son argent, plus personne ne peut lui parler. Il dit, et ton argent, et toi-même, je n'ai pas besoin de cela. Tout ce que je te demande, jette-toi dans le Jourdain. Alléluia. Et quand Naaman s'y est jeté, la Bible dit, il est devenu comment? Pur. Maintenant, il pense que l'onction de Dieu peut être payée. Bien-aimé, faisons très attention. On ne paye pas l'onction de Dieu. Je ne suis pas venu prier pour toi pour que tu me donnes à condition d'argent, ou bien je ne mets pas une condition pour que ta vie soit sauvée. Non. La seule chose que je te demande, je vais te montrer qui est Jésus au travers de ce que je vais faire dans ta vie. À partir du moment où je mets la condition, il n'y a plus d'onction. Dieu ne s'y trouve pas. Alléluia. Bon, Kofi, il y a longtemps, tu te fatigues pour le mariage. Moi, j'ai une parole pour toi. Bien que je prie pour toi, mais à condition que tu me donnes 2000 euros, frère, prends tes 2 pieds, il faut fuir. Jésus n'est plus là-bas. Alléluia. Donc, vous comprenez que Naaman le Syrien va au final obéir. Et il va se jeter dans le Jourdain 7 fois. Et il sera pur. Alléluia. À la fin, il voudra corrompre maintenant Élisée en remerciement. Il est venu avec des présents. Élisée a dit, ça, je ne prends pas. Amen. Hein? Vous savez, tous ceux qui sont ici, là. J'ai toujours dit, c'est ici là le danger sort. Élisée a dit, il ne prend pas. Moi, j'ai dit, je ne prends pas. Alléluia. Mais ils ont faim. Ils ont faim. Ils sont là. Mais ils n'ont pas confiance en Jésus.
Ils ne savent pas que le détenteur du trésor, c'est celui qui est là-haut. Ils ne savent pas que ce n'est pas en allant devant quelqu'un pour dire « Donne-moi l'argent !» Ils ne savent pas qu'ils sont éternis Jésus. Mais quand la Bible dit « Il est le détenteur du trésor », simplement fléchis genoux, parle-lui. Il va toucher la vie de quelqu'un pour venir te bénir. Ce Jésus-là sera élevé avec toi dans la grandeur. Mais quand tu es tous les jours au pas des pieds des enfants des yeux, « Donne-moi l'argent, je vais prier pour toi. Hey, je suis parti chez toi, là, tu ne m'as pas béni. Hein? » Père, père l'onction. Géasi va se lever. Il dit, mais ça, c'est quel type ça là? Le gars envoyait habits, vêtements. Louis Vuitton. Moi, Géasi, je n'ai jamais porté Louis Vuitton. Alléluia. Je n'ai jamais eu un tel sou. Aujourd'hui là, non, Élisée n'a qu'à m'excuser. Hein? Mais moi, je dois poursuivre Naaman. L'homme là, il nous a trop fatigués. Il faut qu'il paye. Amen. Donc il va se lever, il va poursuivre Naaman et il va dire à Naaman, mon maître m'a envoyé. Mais regardez, il va même donner une révélation. Ma fille, réponds-moi le verset 31. Géasi les avait devancés, il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit au verset 22, « Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, donc les fils des prophètes. Oui. Donne pour eux, je t'ai pris, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Au verset 23, Naaman dit, oui. « Consent à prendre deux talents. » Il le pressa et il serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et les fit porter devant Géasi, par deux de ses serviteurs. Merci. Amen. Regardez. Là, il va étaler son mensonge. Il va étaler son esprit de manipulateur. Il va étaler son esprit de prophète. Amen. Alléluia. Donc, vous comprenez aujourd'hui que ce qui s'est passé hier sur la vie de l'enfant de la tsunami, et que Géasi n'a pas pu opérer le miracle. Le prophète n'était pas dans le bâton. Alléluia. Quand vous lisez un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que Géasi avait menti. Élisée ne le savait pas. C'est pour cela, vers la fin, qu'est-ce qu'il a eu? La lèpre. Alléluia. Donc vous comprenez que aujourd'hui, si la vie des uns et des autres ne bouge pas, depuis longtemps, il marchait auprès d'Élisée, normalement, puisque Élisée a reçu la double portion de son maître qui est Élie, lui, Géasi, devait recevoir aussi la double portion. Mais vous allez voir, Élie a eu un successeur qu'on appelle Élisée. Élisée n'a pas eu de successeur. Frère, il a limité lui-même sa grâce. Il a freiné sa bénédiction. À cause de l'état de son cœur, à cause de la fourberie, à cause du mensonge, à cause de l'adultère, à cause de tout ce que tu fais tous les jours, ça limite la grâce de Dieu. Donc tu peux penser aux signes, tu peux penser aux prodiges, aucun signe ne viendra vers toi à cause de l'état de ton cœur, parce que tu marches avec le mensonge. Et tant que tu marches avec le mensonge, aucun signe ne pourra t'accompagner. Les bénédictions viendront, tu pourras les voir comme Moïse a vu la bénédiction. Il a regardé Canaan, il a même goûté les raisins de Canaan, mais il n'est pas rentré parce que l'état de cœur de Moïse n'était pas pur. Bien-aimés, nous souffrons aujourd'hui parce que notre vie n'est pas purifiée par le sang de Jésus. Frère, quand tu analyses la parole de Dieu, tu te rends compte que le problème n'était pas Élisée. Alléluia. Alléluia. Est-ce que chacun de nous se rend compte aujourd'hui de comment nous, pasteurs, nous pleurons, nous prions chaque jour, chaque instant, afin que chaque vie ait un sens. Et nous avons des Géasi partout. Tu tournes là, voici Géasi. Tu tournes ici, voici Géasi. Double cœur. Double identité. Le jour, vrai serviteur, la nuit, hibou.
Alléluia. Ton frère, fais une analyse. Fais une étude réelle. Et graine ta vie. Parce que la Bible me dit, dans 2 Timothée, que le nom de Jésus là est sacré. Il y a un mystère dans le nom de Jésus. Il n'y a personne qui a marché avec fidélité et intégrité dans le nom de Jésus et qui a échoué. Nada. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas encore rencontré. Alléluia. S'il n'y a pas de prospérité, c'est parce qu'en nous, nous n'avons pas de pureté de cœur. Sinon, Dieu a tout prédisposé. Alléluia. Personne ne pouvait imaginer que Géasi pouvait mentir. Personne ne pouvait imaginer que Géasi était fourbe. Personne ne pouvait imaginer que Géasi pouvait faire ça. Mais il a fait. Alléluia. Gloire à Jésus. Es-tu comme Géasi ce matin? Vous êtes sûr que quand Jésus va descendre ce matin-là, il ne va pas trouver de Géasi ici? S'il n'y a pas de Géasi, acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Frère, je vais dire à un enfant ce matin, je vais te rassurer, dans le nom de Jésus là, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus là, il y a une résurrection. Alléluia. Dans le nom de Jésus là, il y a une élévation. Dans le nom de Jésus là, tout ce dont tu as besoin, il y en a. Mais tout dépend de ta position. Est-ce que tu es dans l'écriture? Alléluia. Est-ce que tu es dans l'orgueil? L'orgueil qui tue beaucoup d'enfants de Dieu. Qui ne veulent pas reconnaître leur tort. C'est pour ça que la Bible dit, sortez du moulin d'eux. Parce que ceux-là, ils vont te contaminer. Alléluia. Un enfant de Dieu qui n'est pas du tout sensible à la parole, il n'est pas loin de la sorcellerie. Et qui assis dans l'orgueil. Dès qu'on te parle, c'est le moi qui sort. Frère, Jésus dit, il dit, vous qui voulez me suivre, tous les jours, chaque instant, vous porterez vos croix. Quand il s'agit de porter la croix, oh, on ne reconnaît pas Jésus. Alléluia. Non, Jésus n'est plus Jésus. Parce que là, il y a la croix. Pendant ce temps-là, on aspire du moins à ses grâces et à sa bénédiction. Non. Il te rappellera à l'ordre. Et si vous voyez que tout, à chaque fois, la même situation que tu as vécue hier, elle se reproduit aujourd'hui, interroge-toi. Jésus veut quelque part que tu sois transformé. Il veut te rebâtir. Il veut te relever. Alléluia. Quand vous voyez que la même parole sort, et très souvent, les mêmes échecs sont similaires. Alléluia. Mais on ne veut pas se reconnaître à ces échecs-là. Si tu as pris une femme hier, de la même façon que tu l'as prise, la première qui était partie, la seconde est partie de la même manière. Là, on sort maintenant les vieux adages du village. Quand une femme part, c'est une autre qui rentre. Mais tu n'as même pas nettoyé ta maison. La maison, c'est l'état de ton cœur. Donc tu verras que, de la même façon, la première est partie, la deuxième est partie, la troisième partie là aussi. Alléluia. Et là, l'orgueil est assis. On est chrétien. On change de femme, on change. Et puis, on n'a pas mal qu'on a fait tuer Jésus. Tu regardes la femme de l'autre, tu es sur elle. Tu ne sais pas que tu tues Jésus. La pauvre femme, elle est assise à la maison. Mon chéri est parti au travail. J'attends qu'il rentre. Tu tues Jésus. Alléluia. Et là, sur le chemin, on commence à fabriquer maintenant ce qu'on va dire pour adoucir son cœur. Et puis tu viens, Géasi, tu commences à mentir. Alléluia. Frère. Et en même temps, on veut que Dieu nous bénisse. Fais d'abord une analyse réelle de ta vie. Analyse-toi réellement.
Le problème n'est pas Dieu. Le problème n'est pas l'église. Le problème n'est pas le pasteur. Le problème, c'est toi-même d'abord. Regarde à toi-même d'abord. Quand tu feras une maladie réelle et tu diras, Seigneur, je reconnais mes transgressions. Je reconnais mes iniquités. Maintenant, prends-moi. Fais-moi ce que tu veux. Seigneur, Seigneur, et Dieu viendra. Il dit, maintenant que tu t'es repenti, je suis avec toi, mon fils. Alléluia. Hey, frère, je vous en prie, dans le nom de Jésus là, il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a un mystère fort. Vous voulez voir les signes? Fuyez le péché. Fuyez l'idolâtrie. Fuyez le mensonge. Fuyez la prostitution. Fuyez les critiques. Fuyez les doubles cœurs. Alléluia. On ne peut pas être chrétien, être dans la maison de Dieu et chercher à détruire la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont très forts, très futés, mais ils croient qu'ils sont malins. Amen. Ici, là, tout se voit. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, ça se voit. Amen. Mais Dieu, qui nous a appelés, nous communique une sagesse pour être calme. Pour te regarder faire, pour voir là où tu vas arriver. Donc des fois, les gens sont en train de nager, ils croient qu'ils sont au fond de l'eau. Mais en réalité, on voit leur dos. Alléluia. Donc vous comprenez que c'est quand les situations arrivent, quand maintenant ils sont en train de pleurer, on va dire, ah, Élisée ne pouvait jamais savoir que son fidèle serviteur Géasi pouvait faire ça. Non! Élisée ne pouvait jamais savoir. Alléluia. Je vais à Abidjan. Ah, comment ça? Tu vois les difficultés de la maison? Tu peux pas acheter un billet pour partir à Abidjan. Abidjan, il y a quoi là-bas? Reste ici. On va gérer un peu les enfants. Non, non, j'ai des affaires. Tu vas pour des affaires, on ne voit jamais le résultat des affaires. Mais ce qu'on entend, c'est grossesse. Ce qu'on entend, c'est enfant. Ce qu'on entend, c'est qu'il était dans le bois de nuit. Ce qu'on entend, c'est qu'il était quelque part. Ton quelque part là, c'est où? Mais quand tu es parti à Abidjan là, c'est pour aller faire quoi? Tu nous as ramené combien? Frère, va à Abidjan, va à Abidjan pour entreprendre. Si c'est pour aller à Abidjan pour vacances, gaspiller 3 000 euros, 5 000 euros, reste ici. Cet argent là, mets-le sur un compte. Le jour où tu voudras partir, tu prends cet argent là et tu achètes un terrain. Aujourd'hui, avec 3 millions, tu as un terrain. Alléluia! Alléluia! Quand tu achètes ton terrain, un peu, tu as 2 euros de briques, tu montes. Tu as 3 euros de briques, tu montes. Tu as 4 euros de briques, tu montes. Et le jour, tout est bon. Ta vie est calée. Alléluia! Et quand tu descends, Dieu est avec toi. Amen, hein? Amen, hein? Regardez Géasi. Alors que Dieu bénit. Regardez ce que Géasi nous fait. À cause de Géasi. Géasi, pardon, prends le bâton là, va le mettre sur l'enfant. Géasi savait que son cœur était doux. Pourquoi là, moi je vais parler à Élisée. Ton bâton est trop fort. Pardon, je ne peux pas prendre. Sinon, ça va me brûler. Amen. Les gens aiment trop. C'est-à-dire que là où elle est interdite, j'aime faire comme ça pour faire plaire. Pour du moins pour plaire au monde. Pour plaire aux hommes. Alors que toi-même, tu sais. Tu sais très bien que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Mais tu es dedans. Et puis après, dans le groupe musical, cri, on te voit. Venez, venez, on va louer Jésus. Allez, venez, venez, on va louer Jésus. Et quand tu finis, on te voit ailleurs. Venez, venez, on va louer Jésus. On dit, viens être commandant. Oui. C'est moi, je suis là. Parce que je suis fort. Mais tu oublies que, quand moi, je suis là, je vous regarde. Je vous regarde, hein. J'ai entendu chacun de vous. Je vous ai dit. C'est que commando. Amen. Hein? Quand moi j'ai fini de prier, quand ça sort là, ça doit partir dans les lieux arides. Maintenant, si toi, tu te lèves, si mari de quelqu'un, tu viens faire commando ici, quand ça sort, ça rend de toi trop. Amen. Hein? Frère, l'église est une église sanctifiée. Vous qui tenez le micro là, quand on sort, quand on a tenu le micro, on se sanctifie. On quitte sa femme. On quitte son mari.
pour venir ici. Si vous croyez que c'est un jeu, pour, comme un bonbon, puis tu mets ça ici, là. Ici, il y a la mort et la vie. Et je n'arrête pas de vous dire. Alléluia! C'est ça l'église. Pourquoi Dieu bénit? Parce que ce n'est pas suivi de chagrin. C'est une église sainte, où il y a le Saint-Esprit, où ça travaille, où ça fait de bonnes choses, où quand ça élève. Et, frère, quand tu es dans la sanctification, quand tu es dans la prière, dans la sainteté avec Christ, bien-aimé, regardez, ceux qui t'avaient résisté hier, ceux qui t'avaient maudit hier, quand ils te voient, à cause de la honte, ils ne vont pas dire, oui, je reconnais que vraiment, j'ai fait du tort à cet enfant. Mais malgré tout, mais je vois qu'il est toujours à sa place. Il prospère toujours. C'est-à-dire qu'il avance. Rien ne peut le freiner. Rien ne peut l'arrêter. J'ai maintenant compris que Dieu est vraiment avec lui. Maintenant, on te dit, Jésus est avec lui. On dit, il est sorcier. Frère, ce n'est pas une question de sorcellerie. C'est la sainteté de Dieu. Maman, la Bible dit, sortez du milieu d'eux. Leur cœur là est trop noir, est trop dur, est trop ferme. Si tu es parmi eux là, rien ne va bouger dans ta vie. Avec Christ, il faut savoir faire la séparation. Tant que tu n'arrives pas à faire la séparation, ils vont te tenir toujours vers le bas. Christ veut te ramener vers le haut. Mais eux, ils te tireront vers le bas. Parce qu'il veut que vous soyez la même chose. L'église est érigée par des commandements, bien-aimés. Tant que nous suivons ces commandements, on dit, ne ment pas, il ne faut pas mentir. Ta femme là, il faut l'arranger bien. Tu dis, chérie, habille-toi comme ça. Et cela agréable à tes yeux. Amen. Parce que si elle n'est pas agréable à tes yeux, tes pensées sont prises en captivité et tu es ailleurs. Là où tu ne devais pas te trouver. Donc il faut la rendre agréable à tes yeux. Frère, dis à ton voisin et ta voisine, faut aimer ta femme, faut aimer ton mari. Voilà. Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que ce que Jésus est en train de nous dire au travers de ce message, c'est que quand tu gardes les commandements de Dieu, la Bible dit, je l'aimerai. Hein? Donc, tu seras dans l'intimité de Jésus. Amen. Et il dit par là, et je me ferai connaître à lui. Frère, le jour où tu vois Jésus, ta vie est sauvée. Alléluia. Tous ceux qui ont fait la rencontre avec Christ, leur vie a été métamorphosée. On a vu une sorte de tasse. Quand il a rencontré Christ, aujourd'hui on l'appelle l'apôtre Paul. Et c'est une référence aujourd'hui dans le ministère. Donc frère, c'est pour ça que je dis à quelqu'un, tantôt je disais dans 2 Timothée, que dans le nom de Jésus, il y avait un mystère. C'est ça. Il dit, celui qui m'aime, je l'aimerai et je lui montrerai qui je suis. Alléluia. Frères, tous, on aspire à Jésus. Quand tu as arrêté régularisé dans le cadre de ce jour, c'est que tu as rencontré Jésus. Quand tu étais dans la misère et Jésus est venu, il t'a apporté la solution de ta misère, tu as vu Jésus. Quand ta prière était d'avoir une femme, était d'avoir une maison, était d'avoir un enfant, et que tu l'as reçu, tu as eu Jésus. Quand ta prière était de venir en France, parce que j'avais besoin que Jésus vienne dans ma vie, tellement m'a rejeté, tellement m'a calomnié, tellement je ne savais même pas où aller. Et puis, sur ton passage, une femme vient comme ça, on ne sait même pas d'où elle sort. Mais elle vient, elle te dit, mon enfant, mon bien-aimé, mon fils, je t'aime. Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Et la personne te prend avec toi, et te prend avec toi, et t'aime véritablement. C'est parce que Jésus est passé par cette femme. Alléluia. Et quand, vous savez, l'amour transforme, l'amour sauve, l'amour élève. Vous voyez, quand même votre propre patrie vous a rejeté, et quelqu'un qui ne vous connaissait même pas, ni de Adam ni de Ève, te récupère et t'apporte le véritable amour, tu es régénéré.
tu redoubles de force et tu crois encore qu'il est encore capable, ce Jésus-là. Et tu lui dis, c'est possible. Bien-aimé, il y a un mystère dans le Jésus. Nous ne sommes pas fous ni bêtes pour rester là à veiller toute la nuit à parler de Jésus. C'est parce que là, en Jésus, il y a quelque chose de glorieux. Il y a quelque chose de spécial, bien-aimé. En Jésus, tu peux même rencontrer une femme qui, au commencement, il n'y a pas de flamme. Mais quand Jésus dit, c'est ta côte, et tu commences à prier, Jésus, tu lui dis, inonde mon cœur d'amour. Si réellement, c'est vraiment la personne qu'il me faut. Et tu vas voir, ton cœur est déchiré d'amour. Quand tu ne vois pas la personne, tu ne dors pas. Quand la personne ne t'a pas appelé, tu n'es pas tranquille. Alléluia. Quand il y a une mésentente, quand tu sors même pour aller, soit au travail ou peu importe, tu n'es pas tranquille. Tu veux retourner même à la maison. Tu veux abandonner. Prends ton téléphone pour dire aujourd'hui, je ne viens pas travailler parce que ma femme n'est pas bien. Il y a un mystère dans le Jésus. Frère, le mariage que tu attends dépend de Jésus. La carte de séjour, la maison, le travail, tout ce que tu attends dépend de Jésus. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, aujourd'hui, je ne veux pas pleurer parce que j'aime ce Jésus. J'aime ce Jésus. Dis à ton voisin, je l'aime et toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais c'est bien beau d'aimer ce Jésus. Mais quelle est ta position vis-à-vis de ce Jésus-là? Est-ce que tu es réellement avec lui? On lit la parole. Il y a encore d'autres mystères que je vais vous montrer. Marc 4 à partir du verset 11. Marc 4 à partir du verset 11. Je lis la parole de Dieu. Oui. À Marc 4, verset 11. Oui. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Frère, bien-aimé, est-ce qu'on me suit? Marc 4, verset 11 dit, et regardez, ce qui me fait plaisir, regardez, si tu as un stabilo, ou bien souligne simplement, c'est à vous. C'est à vous, continue. Attends ma fille. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Souligne ça. Tu as un stylo, tu écris. La Bible dit, dans Marc 4, verset 11, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Donc c'est vrai. Nous voulons les prodiges. C'est vrai. Nous voulons les signes. Mais la Bible dit ici, le mystère, n'est-ce pas? Pour dire autrement, le secret du royaume de Dieu, le secret de la bénédiction, n'a pas été donné aux chiens. Ça a été donné à toi. Alléluia. Tant que tu ne comprends pas cela, il te sera difficile de rentrer dans les bénédictions de ce mystère. Parce que le royaume de Dieu, c'est comme un cercle. À l'intérieur, il y a un roi. Ce roi, il a un père, Dieu. N'est-ce pas? Et ici, la Bible en train de nous dire, il y a un mystère dedans. Donc, quand il y a mystère, quand il y a secret, c'est ceux qui sont initiés qui rentrent dedans. C'est ceux les héritiers qui rentrent dedans. C'est que les ayants droit qui rentrent dedans. Et la Bible dit ici, que ce mystère, c'est à toi, c'est à vous. Vous, c'est qui? Toi, comme moi, Israël, Église, c'est à toi. Parce que tu es un droit. Alléluia. Continue un peu, ma fille. Mais pour ceux qui sont dehors, oui? Tout se passe en parabole. Ha! Voilà ce que je voulais faire comprendre à quelqu'un. Maman, bro. Le mystère du royaume de Dieu. C'est un langage que tout le monde ne comprend pas. Alléluia. Quand tu n'es pas un ayant droit, quand tu n'es pas un héritier,
ce mystère-là, tu ne peux pas le comprendre. Donc les bénédictions qui sont à l'intérieur de ce ministère deviendront une folie pour toi. Parce que quand tu vas les prendre, tu ne sauras pas quoi en faire. Frère, tu veux le mariage, c'est vrai. Tu veux l'enfantement, c'est vrai. Mais la Bible dit, il y a un mystère. Est-ce que tu es un endroit ou bien tu es l'autre? Dieu dit, au travers de sa parole, pour pouvoir hériter de toutes ces grâces, les délices du royaume de Dieu, il faut être un endroit. N'est-ce pas? Il faut être un héritier, un endroit. Alléluia. Continue un peu ma vie. Au verset 12, « Afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent pas, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, amen, de peur qu'ils ne se convertissent. » Donc frère, tant que tu es assis dans l'état du péché, tant que tu es assis, tant que tu ne te l'éloignes pas du péché, tu auras du mal à comprendre les paroles du mystère. Dans les signes et les prodiges, tu vas l'entendre parler, mais tu ne pourras jamais les toucher. Tu ne pourras jamais les vivre. Pourquoi? Parce que tes oreilles sont comment? Sourdes. À cause de ta position pécheresse. Donc, ça veut que Dieu, quand il commence à distribuer les grâces, toi pour toi, ça devient une folie. Et comme c'est une folie, la jalousie se lève en toi. L'envie se lève en toi. Les critiques se lèvent en toi. On commence maintenant à calomnier, à critiquer, à insulter, à injurier, à sortir même des vulnérabilités. Alléluia. Pourquoi? Alors que la Bible dit, les signes et les prodiges accompagneront ceux qui auront cru, ceux qui ont Jésus en eux. Frère, en temps normal, Jésus est en toi. N'est-ce pas? Donc, ce dont on parle ce matin n'est pas pour toi un mystère. Au sortir de ce message, à temps normal, tu diras maintenant, arrête de moi, Satan. Parce que j'ai compris que il y a un mystère dans le royaume de Dieu. Et ceux qui ont droit, c'est les héritiers. Je suis héritier. Dis à quelqu'un, je suis héritier. Je suis héritier. Alléluia. Donc pour toi, ce n'est plus maintenant quelque chose d'étonnant. Alléluia. Et quand tu vois, la Bible dit que quand ils vont commencer à parler le langage du royaume des cieux, avec toi, c'est un langage direct. C'est comme ceux avec qui je suis très souvent. Quand je veux leur parler, je leur parle directement. N'est-ce pas? Mais vous, vous parlez, j'utilise des figures de style. Quand je dis vous, c'est les autres. Les païens. N'est-ce pas? Même avec le peuple, ce que je peux dire directement à eux, je ne leur dis pas directement. Je ne vous dis pas directement. Je vais utiliser des figures de style. C'est tout nu. Mais avec eux là, le langage est ouvert. Les enfants sont là, demandez-leur. Je ne tourne pas. Prêt. Parce que ce que j'attends, ce n'est pas que tu me serves et que tu sois béni par moi ou en moi. Non. Tu seras béni en Jésus en passant par moi. N'est-ce pas? C'est d'abord en Jésus. Et Jésus va me communiquer ta grâce. Et moi, il va me dire, fais ça. Et je l'implaquerai sur toi. N'est-ce pas? Donc, tout ce que tu feras, c'est pour moi me faire plaisir. Mais moi, me faire plaisir ne t'apportera rien. On a compris ce matin? Donc, vous comprenez que pour ce langage-là, quand je veux parler à papa souvent, c'est direct. Je dis ça, j'aime pas. Il faut arrêter. Stop. C'est comme ça. Et il obéit. Alléluia. Le jour où il a commencé, le jour du moins, il commence à murmurer. Il commence à lever le ton. Il commence à parler autrement. Je ne parle plus. Et mon silence est très dangereux. Amen. Il faut savoir mettre la différence. Que le père, un père ne parle pas beaucoup. Un père donne des conseils. Un père agit quand il faut. Quand je ne parle plus, c'est dangereux. Parce que tu ne sais pas ce que je pense. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que ceux qui sont dehors, ceux qui sont dans le monde, ceux qui n'ont pas Jésus, eux là, Jésus va leur parler en parabole. En parabole. Et la parabole, il faut avoir la connaissance pour pouvoir ressortir les révélations de la parabole. Alléluia. Si tu n'as pas le discernement, mais le discernement ne t'a pas été enseigné dehors. C'est dans la maison de Dieu. C'est les ayants droit
à ceux-là à qui Dieu a communiqué le don du discernement. Donc vous allez voir que quand Dieu leur parlera, ce sera un langage direct. Est-ce qu'on m'entend ce matin? Donc vous comprenez que ce que je souhaite, moi, en tant que pasteur, pour vous, en tant que père, ce que je souhaite, c'est que vous ne soyez pas dehors, mais vous soyez dans le milieu. Vous soyez dans, dedans, pas dehors. Alléluia. Apocalypse 22, verset 15. Je lis la parole de Dieu à Apocalypse 22, verset 15. Dehors les chiens, oui. Les enchanteurs, oui. Les impudiques, uh-huh. Les meurtriers, uh-huh. Les idolâtres. Frère, attends, attends. Vous voyez, ce dont Dieu parlait, quand il disait que ceux qui n'ont pas droit à la grâce, c'est les impies, ceux qui sont assis sur leur iniquité. Maintenant, ici, on vous cite les iniquités dans lesquelles le monde est, qui fait que le monde n'a pas droit au langage direct de Dieu. Le monde n'est pas un ayant droit. Ceux qui sont ayant droit, c'est ceux qui sont assis dans la maison de Dieu, et ceux qui ont cru en Christ, et ceux qui s'appuient sur Jésus, et ceux qui aiment Christ, et ceux qui s'éloignent des péchés, impudicité, quoi? Quoi d'autre encore? Les meurtriers. Les meurtriers. Les enchanteurs. Les enchanteurs. Les idolâtres. Les idolâtres. Et j'en passe. Les chiens. Ceux-là, la Bible les appelle comment? Les chiens. Les amis, les appellent comment? Les chiens. Frère, quand tu regardes ta vie aujourd'hui, est-ce que tu es adultère? Est-ce que tu es adultérien? Est-ce que tu es impudique? Non. Voilà, bro. Je leur demande, est-ce qu'ils sont impudiques? Non. Ils me disent tous non. Donc, ils ne sont pas chiens. Donc, aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui a une vie bizarre avec une soeur dehors, c'est qu'il appelait chien. Tu le regardes droit dans les yeux, tu es chien. Amen. Est-ce qu'elle t'a insulté? Est-ce que Mike t'a insulté? Amen. Est-ce qu'elle a dit quelque chose de méchant sur toi? C'est pour cela que chacun doit être avec sa femme. Si tu brûles, marie-toi. N'est-ce pas? Prends ta femme, mets-la ici. Prends ton bras, prends le dessous. Tu fais ce que tu veux avec. Tu vois avec elle, tu vas où tu vas avec. Mais tu sautes ta femme, puis tu prends la femme des grands pour voyager. Pourquoi? Tu vas appeler chien. N'est-ce pas? Quand tu sors d'ici là, tu déposes la bouteille de whisky devant toi. Puis tu fais clo, 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 clo. C'est-à-dire que quand tu finis là, tu ne connais plus le jour, tu ne connais plus la nuit. C'est-à-dire quand tu arrives là, tu es là, mais là, pourtant tu viens dire, lui, Jésus. Et puis tu es là. La Bible dit, Amen, tu as appelé chien. Amen. Laisse l'alcool, laisse la drogue. Non, ce n'est pas ton problème. Laisse enfin les gens, ce n'est pas ton problème. Tout ce qui bouge, tu tires, tu as appelé chien. Donc les chiens là, ils ne vont pas au royaume. Là-bas, c'est pour les hommes, hein. Ceux qui ont Jésus en eux.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quitte maintenant. Quitte maintenant. Mon ami, au nom de Jésus. Tu n'es qu'un imposteur qui veut l'empêcher de servir Dieu. Parce que l'heure a sonné pour sa vie. L'heure de son élévation. L'heure de, sa prospérité. L'heure de sa grâce a sonné. L'heure de sa paix a sonné. L'heure de sa guérison a sonné. Et je la déclare maintenant au nom de Jésus. Libère-le. Lève le bras. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare maintenant que cette Paul retourne. Esprit de paralysie. Quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quitte maintenant. Au nom de Jésus. L'onction le guérit ce matin. L'onction le guérit ce matin. L'onction le libère ce matin. Au nom puissant de Jésus. Oui, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Quand le Saint-Esprit me parle d'une personne que Dieu a envoyée dans cette assemblée. Alléluia. Ta présence ici n'est pas anodine. Amen. Le Saint-Esprit me dit, tu n'es pas venu ici en vain. C'est comme un missionnaire, comme une missionnaire. Dieu t'a envoyé là, dans cette terre de la France. Mais il me dit ceci. Tu as été rejeté, humilié. Personne n'a cru en toi. Et Dieu a fait le miracle. Il a permis que tu quittes un endroit. J'entends quitter. Tu as quitté. Et il t'a propulsé ici en France. Il t'a propulsé ici en France. Afin qu'au travers de toi, toute sa famille soit bénie. Toute sa famille soit restaurée. Mais il me dit ceci. Si tu quittes ta face, si tu quittes sa face, si tu quittes sa face, si tu quittes sa face, le ciel sera renfermé sur toi. Il me dit ceci. Tu es parmi nous ce matin. Il veut simplement te dire. Il dit sans Christ, sans Jésus, sans Christ, sans Jésus, ta vie n'aurait aucun sens. Ta vie n'aurait aucun sens. Ta vie n'aurait aucun sens. Et aujourd'hui, il a permis le miracle. Et tu es venu dans ce pays, me dit l'Esprit de Dieu. Tu es venu en ce lieu. Mais Jésus veut te libérer ce matin. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu ne serais même pas parmi nous ce matin. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a pris un avion. Je ne sais pas d'où vient l'avion. Mais c'est comme quelqu'un qui a pris l'avion. Le Seigneur me dit, tu as pris un avion. Le Seigneur me dit, tu as pris un avion. Et il me dit ceci. Toute ta famille n'a pas cru en toi. Mais lui seul, a placé des personnes au devant de toi. Afin que ta vie ait un sens. Je veux simplement prier pour cette personne. Tu as joué avec son sacerdoce. Tu as joué avec ton sacerdoce. Fais attention, mon fils. Seigneur, merci. Oh yes. Donnez-la bien. Ils ont échoué. Les marabouts ont échoué. Reçois le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les médisants. C'est la fin des pleurs. C'est la fin des échecs. C'est la fin de la douleur. C'est la fin des pleurs. Jésus te libère ce matin. Et ce qui était sur toi, ce qui était sur toi,
comme paralysie, comme blocage. Le sang de Jésus l'enlève ce matin. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. L'heure a sonné pour toi. L'heure de ton élévation a sonné, ma fille. Oh, je vois une robe de mariée sur ta vie. Je vois une robe de mariée sur ta vie. Mais l'homme qui viendra vers toi ne sera pas réellement ton choix. Ce n'est pas celui que tu as dessiné. Mais ce sera l'homme qui pourra te supporter, qui pourra t'aimer véritablement dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Je suis en train de me dire ceci. Abandonné, rejeté de tous. Personne n'a cru en toi. Et sur ton chemin, Dieu a prédisposé des personnes à cause de la prière. Et Jésus a fait de toi aujourd'hui un vase d'honneur. Tu m'entends? Écoute-moi bien, ma fille. Écoute-moi. Le jour où tu laisses la main de Jésus, le Seigneur est en train de me dire, il dit, je ferme le ciel chez toi. Tu m'entends? Quelles qu'en soient les conditions, tu n'abandonneras pas la main de Dieu. Parce que Dieu t'a sorti d'une situation extrêmement compliquée. Tu as un témoignage qui est extrêmement fort et lourd. C'est quand, ici là, ceux qui vont voir de Christ dans ta vie, c'est en ce moment qu'ils vont croire. Personne ne croira en toi. Tu m'entends? Seigneur, merci. Seigneur, que ta lumière ne la quitte pas. Merci, Saint-Esprit. Que ta main soit éternellement sur sa vie. Ce que tu as commencé, Père, termine-le. Au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Seigneur, sauve. Guéris. Au nom de Jésus. Guéris. Au nom de Jésus. Élève. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Ma fille, ne t'inquiète pas. Personne ne peut. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Personne ne peut faire quoi que ce soit de ta vie. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. Ne change pas ta position. Continue ta prière. Ne baisse pas les bras. N'écoute personne. Écoute que la voix de Dieu. Parce que Dieu fera de toi une véritable sentinelle dans sa maison. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Oui. Remplis maintenant, Père. Ce qui est sur toi est spécial, mon enfant. La grâce qui est sur toi est spéciale. Elle contamine. Oui. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Prends un jeûne de 7 jours aux fruits. Un jeûne de 7 jours aux fruits. Me dit l'Esprit de Dieu, il te montrera sa face. Il te montrera sa face dans une dimension profonde. Et tu verras. Pendant cette période, quelque chose de spécial arrivera à ta vie. Me dit l'Esprit de Dieu. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Guéris maintenant. Au nom de Jésus. Maman, Dieu a vu ton cœur. Dieu a vu ton cœur. Ne garde plus de rancune dans ton cœur. T'as compris? Dieu a vu ton cœur. T'as compris? Ne te frais pas. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Élève maintenant, Père. Et tout ce qu'il a perdu,
il le retrouve avec toi. Merci Seigneur. Amen. Éternel, merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Remets à César ce qui est à César. Oui. Amen. Seigneur, merci. Guéris maintenant. Établis. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Quand on s'en croit, on a mon antico, tu es coach, aïe, la la la.